Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est la grande forme parce que ce matin vous m'avez fait trop rire. Comme d'habitude, dès que je pars en live Twitch, je mets toujours un petit message dans l'espace communauté pour que la team YouTube sache que je suis en live. Mais si t'es pas abonné à la chaîne Twitch, n'hésite pas à les follow dans la description. Et du coup j'ai mis un petit message pour dire que j'étais en live avec une image qui m'a fait beaucoup rire, qui était une image d'une personne avec l'adversaire abandonné le combat. Bref, ceux qui ont vu ça, vous m'avez fait trop rire parce que dans l'espace commentaire de cette annonce, mais vous avez été trop drôle, vraiment, vous m'avez pissé dessus, donc vous êtes... on a des comiques dans la communauté, on a vraiment des comiques, vous m'avez fait beaucoup rire. En tout cas aujourd'hui on va jouer une team Fukatsu no F, c'est nul, je pense que c'est nul à chier vraiment, mais encore une fois, la passion, et on va essayer de faire quelques games et gagner face à des très grosses teams. Alors, vous voyez les persos dispo dans la team, j'ai pas trop le choix, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais mais pourquoi tu joues pas Sibirus? Bah en vrai dans le jeu ils sont pas Fukatsu no F, ils sont Saga Super Destruction de Beerus, donc du coup... ils n'en font pas partie. Si on parle vraiment de Fukatsu no F, c'est un petit peu les persos qui ont fait leur apparition dans Fukatsu no F. Évidemment, les CJ Blue, ça, je pense que vous le savez. Jaco, Shizami, j'ai envie de crever. Shizami, je le joue pas, hein, c'est hors de question. Golden Freezer et Golden Freezer Transformation. Alors, pourquoi je mets ça? Parce qu'on est en train de beaucoup tourner autour de Fukatsu no F, hein, notamment avec toute la célébration qu'il y a au niveau des deux personnages CJ Blue, enfin, cette mise à jour qu'on a eu là. C'est vachement mis en avant quand même sur le Fukatsu no F, je trouve. Et bah ça irait très bien avec peut-être un nouveau Golden Freezer Ultra, je sais pas quoi, même si vraiment pour moi, ou même le Zenkai du vert là, ça serait pas une bonne idée. Vraiment, la team LOE est beaucoup trop forte. Pour moi, ce serait une très mauvaise idée de up LOE. Ceux qui jouent LOE, leur vrai team LOE, vous le savez, imaginez lui là, le vert, il a un Zenkai. En blast en plus, enfin. Mieux vaut ne pas en parler. En tout cas, les gars, comme d'habitude, c'est la passion qui règne ici. On va essayer de se faire plaisir avec. Les adversaires, j'espère qu'ils joueront le jeu, mais bon, ça, c'est le ladder, après, c'est aussi à moi de bien jouer. On a les deux free-to-play à 8 étoiles, on va sans doute les jouer. Voilà. Je vais essayer de pas me défiler, essayer des fois de jouer des persos et tout, mais tout dépend des match-up, parce que c'est gauche d'ultra, le freezer rouge, je le prendrai vraiment pas, hein, je vous le dis direct. Donc voilà, on va essayer de se faire kiffer, et l'important, c'est que moi, je kiffe, évidemment, et que vous aussi, mais bon... je pense que vous ressentirez la passion à travers moi si jamais ça se passe bien. C'est comme ça que ça fonctionne, il faut que ça soit dans les deux sens. Et j'espère que mes vidéos vous plaisent, que le contenu vous plaît, ma personnalité, bref, peu importe. Merci à tous d'être là et je vous souhaite une excellente vidéo, un excellent visionnage. Et j'espère que vous avez passé une bonne journée aussi. Bon. Ça nous arrange pas du tout. On va affronter une big LOE. Ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. En vrai, là, je pense que je vais partir avec lui et... C'est nul. Ça va être trop nul les gars. Mais comment ça va être trop nul? Je peux pas partir avec un violet ici, c'est trop risqué. Un rouge c'est cool mais je vais pas en prendre deux. Donc on va rester comme ça. Mais c'est bon, c'est parti. Il est parti dans la team qu'on se doutait. Bon là si j'ai pas l'open, je suis un peu dans la sauce. On va mettre la cover de notre Goku. Ok. Ça peut être le bon moment de frapper ici. Je rappelle les cap Z, c'est pas trop ça. Enfin il y a pas grand chose qui est ça en vrai. Il n'y a pas grand chose qui est avec nous là. Ok, merci pour la carte supplémentaire. Bon, les dégâts, on va... on repassera. On repassera au niveau des dégâts. Ok, ça, ça peut être carré. Je pense qu'il va beaucoup enchaîner les covers, notre ami. Donc là, on va break. Enfin, on va break là maintenant. Voilà. Bon petit break ici. Ok, est-ce que j'ai le temps de tap attaque ou pas? Peut-être que je monte le son de mon téléphone d'ailleurs. Oh là là. On va aller lui enlever sa TP ici, j'espère qu'il a pas le RR déjà, sinon je suis vraiment dans la sauce les gars. Pas de quoi ça. Le RR qui part là, ça c'est excellent, excellentissime, le RR qui part dans le pas de côté, ça c'est parfait. J'aurais pu avoir full power parce que j'étais entré sur une cover, mais il a switché parce qu'il avait plus de TP, et c'est la force parce qu'il était obligé de... il a pas plus de tampon en fait, et là, oh non. What the fuck, le contre de RR sur l'aspect ici, putain. Oh oui, c'est bien gentil là. Bon bah, on vient de perdre la game sur ce move. Ok. Strike ici qui passe, voilà, tout à fait. En vrai, les bons dégâts. Ok. Oh, un petit kill ici. Alors là, je rappelle au Nullify type, vraiment, le compte de Rising Rush, il est horrible. Sinon, vous vous rendez compte comment on est là? On est face à deux jaunes et tout, ça aurait pu être super cool. Et voilà. Et là, c'est ciao à cause du jeu. Oh, c'est terrible.
Et là, l'aspect, ça devrait peut-être même faire le kill. Aïe, 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 aïe. Ah, on a pris un de ces coups de karma à cause du jeu, là. C'est horrible. On va break ici. On est sur du neutre, hein, donc ça va, les dégâts. Ah ouais, on a pris un de ces coups de karma, les gars. C'est assez violent. 2. Voilà. 2 pas de côté. On va le break ici. Parfait, putain, on fait vraiment une belle game, les gars. On est tous d'accord pour dire que je fais une vraie belle game, mais bon, bah... La vérité, c'est que c'est pas possible. Je peux pas strike ici. Ah, putain, il y a eu le réflexe de blast, c'est bien joué. J'espère que Godet Freezer tank ça, et j'aurais dû lui faire tanker une carte de plus, parce que s'il meurt, j'aurais aucun... C'est ciao. Bon, bah, on fait une vraie game, mais ça s'annonce extrêmement compliqué, cette affaire-là. Franchement, Vita, il fait vraiment taf, putain. Même le Goku, en vrai, il a fait le taf, hein. Mais c'est juste que... Ouais, quoi. Si tu veux faire. Ouais, c'est vraiment dommage. On est mort là-dessus, non? Pas mort là-dessus. Et voilà. C'est terminé pour nous. On a fait une vraie, game, mais contre The Rising Rush qui a été horrible parce qu'on avait tout fait. On avait fait le move parfait. Tuer son Freezer violet, ce qui fait que derrière, il donnait plus le pivot et tout. C'était parfait. Bon les gars, ça joue trio légendaire, donc il va falloir prendre des choses qui peuvent l'embêter, c'est-à-dire bleu. Donc on peut peut-être prendre deux bleus ici. Pareil, prendre Golden Freezer, en fait c'est hyper greedy ici parce que voilà. Et en fait c'est mieux de partir comme ça. Je pense qu'on va même faire ça en fait. Pour démarrer on va partir comme ça, sinon c'est trop compliqué. On va essayer déjà de tenter avec ce trio-là même, parce que je pense que vous aimerez bien voir ce que ça peut donner les taux de critique sur le Vegeta, parce que ça peut lui permettre de cogner fort. Bon allez. Attends, quel honneur on a autant de cartes strike dans la main alors qu'on a une team full blast. C'est impressionnant d'ailleurs ça. Ok, on va break ici, vas-y. Ok. Pas très embêtant ça. On va mettre Goku ici parce que je rappelle, voilà, vous connaissez combien le Vegeta va être débile après qu'on se fasse taper. Et Broly a de quoi extendre les combos, donc... Il va strike ici je pense. J'ai bien envie de prendre un petit risque ici de break en vrai. Verte. On va lui détruire ses cartes, il va faire le 2 bleu pas de côté. Voilà. Et il a plus de strike en main, comment c'est fort. Comment c'est fort. Et là il est parti le perso. Oh là mon dieu. Bah vas-y hein. Regardez-moi ça. Non mais en fait t'as juste besoin de jouer avec lui et ça t'as gagné. SP direct. Ça peut surprendre ça. Ça aurait pu surprendre s'il avait pas verte. En vrai s'il avait pas verte ça aurait pu surprendre, c'est pas le cas. Et là on est tellement bien. Mais Goku, régène de TP je rappelle. On fait doubler. Non je peux la prendre, je vais la prendre. On peut pas être stun je rappelle. Voilà, donc on va la prendre. Et ça c'est parfait pour nous parce que là je pense qu'on a un kill. Avec le Goku ici et le trio légendaire qui est en train de prendre une sauce exceptionnelle. Bon Gogeta il est que Zenkai 4 mais quand même il est en train de prendre une sauce qui est terrible. On n'a pas main avec le Goku vieux, je crois qu'il se soigne juste en fait, je crois qu'il fait rien de foufou. Mais bon. Ah si on a main tout à fait, on a tout à fait main. Ça on setup attaque. C'est vraiment pas la meilleure chose à faire, bon ça passe mais c'était assez risqué. D'ailleurs on a le RR mais on est tellement bien, oh putain on va gagner. On va gagner en plus avec le Goku gratuit, ça fait deux persos gratuits ouais. Ouais, là on est... Je pense qu'il n'y a rien à faire pour l'adversaire, hein. il va peiner ici. Ok, on va le tap attaque ici, et on va tenter l'aspect, si ça passe pas, il aura, voilà, il aura généré l'esquive. Et on gagne cette game, ça fait plaisir. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va essayer de gagner des games avec le ou les Golden Freezer, mais je pense que ça va être compliqué. Bon, nous voici face à Futur, et ça va pas s'annoncer très facile pour nous. Hein. Je peux pas prendre le Golden Rouge, c'est impossible, hein. Là c'est... C'est hyper greedy de faire ça, hein. Vraiment c'est trop même. Donc on va partir comme ça. De toute façon il y a trop de gros bleus en fait dans la méta. Donc c'est pas vraiment une surprise hein, qu'on ne joue pas de rouge. Même si en vrai lui c'est pas pareil parce qu'il est effectif donc il est trop fort. Et derrière prendre un bleu divin face à Vegeta c'est pas une bonne idée. On va essayer de partir. Mais non mais j'ai aucun DPS si je fais ça. Je sais pas, je vais prendre lui, j'ai pas le choix. Allez, c'est parti. Il a pris en plus de sa rosée. Oh, qu'est-ce que c'est terrible pour nous. C'est terrible pour nous, ça.
Bon, en plus mauvais clash. Bon, on va prendre la sauce, mais derrière ça va booster un. My god. My god. On va prier pour qu'il n'y ait pas de strike. Hein. Et de spé aussi. Mais c'est pas des mauvais dégâts en vrai, mais bon, pour l'instant. En fait, on va là pour l'instant, on sert juste de sa vitesse de push et c'est tout. Hein. Le Goku a énormément de soins, on sait. On va essayer d'esquiver là-dessus. Bien joué ça. J'ai cherché à tackle. Très mauvaise idée ici. Et là, bah, il a un kill. Hein. Ça, je peux rien faire. Je peux pas l'en empêcher, c'est juste pas possible. Ah, mais je peux rien faire. Hein. Il a pas kill. Oh le con. Ok vas-y on va mettre l'ulti ici. Oh le con. Oh le con, qu'est-ce qu'il vient de faire ici. Oh l'arnaque. Ok. Je pense qu'il a une space, il reste un hein, les gars. Donc on va faire très attention. Ouh, c'est pas des. En vrai, la vérité c'est pas mal. Hein. Ok. C'est pas mal ça. C'est pas trop mal ce qu'on est en train de proposer là quand même. Le Vegeta qui est en train de se soigner, donc là il faut en profiter. Hein. Il faut continuer de taper. Et qu'on lui enlève sa barre. Voilà, parfait. Il est mort. On passe ça sur lui. Il est attaqué derrière, c'est sûr. Ok. Ok, il y a peut-être un truc. Sincèrement, il y a peut-être un truc si on se fait pas contrer le RR, vraiment. Non, mais c'est bon. Ah, les gars, je suis dégoûté en même temps pour vous, pour la vidéo, pour tout le monde. Parce que là, regardez ce que je suis en train de lui faire. Va te faire foutre le jeu. Vas-y, va te faire foutre. Non, mais si je gagne ça, je suis le roi du monde. Hein, vraiment, là, le jeu qui a fail sur les 900 HP. Enfin, ouais. Ok, on va prendre un kill ici. Putain, vous vous rendez compte la game qu'on fait avec le RR contré, s'il vous plaît. L'aspect ici ça va faire mal non. Oh putain oui. Je suis en train de regarder sa vie les gars parce que la saignée est en train de gratter ici. Hein. Putain on va laisser à 900 HP et à 1500 HP je me fous en l'air. Non sérieux le jeu. Ouais, je peux pas, je suis obligé de perdre lui. On va lui enlever sa TP du coup on va l'obliger à switch derrière je pense. S'il passe à travers il est mort. Voilà ça c'est fait. Blast ici. Let's go. On est des dieux, vous rendez compte ce qu'on vient de faire les gars. Avec Rising Rush contré, on a laissé à 400 HP. Je voulais m'avancer tap attaque, j'avais gagné. Sauf que le jeu attaque parce que j'ai mal. C'est peut-être ma faute en vrai, mais bon. C'est trop cette game, mais on la gagne quand même. Mais on est des dieux. Oh je suis trop content de vous sortir cette game, je pense que vous aussi ça c'est cool. Golden Verk a fait un taf incroyable, vraiment. Le perso il a fait un putain de taf. Bon les gars, je n'arrive même plus à vous faire une dernière game parce que soit c'est une team moyenne comme ça là et ça déco, alors on va espérer que ça déco pas, hein. je sais même plus si c'est possible des games qui ne déco pas, voilà, au bout d'un moment si ça déco moi je vous laisse la game hein, parce qu'au bout d'un moment les frères je peux pas, hein. Ça fait une heure que ça déco, que ça lag, que ça cheat, donc c'est il y a une portion de cheater qui est assez énorme et on va voir, hein. On va voir ce qu'on affronte là si jamais l'adversaire cheat ou ne cheat pas, mais des teams pas trop étoilées comme ça je commence à avoir l'habitude, on va voir. Peut-être que j'ai un mauvais a priori. Bon, pour l'instant, pas de déco, rien. Donc, ouais, peut-être mauvais a priori. Après, ça lag un peu. Mais bon, vas-y, on va pas être trop chiant non plus. De toute façon, ça lag tout le temps. Donc, pas être trop pénible non plus. Il faut pas abuser. On a pas mal joué ici. Parce que là, sinon, on aurait pris une petite chose. Hein. Ce qu'il faut, c'est que Tid ne soit, voilà, ne soit plus disponible quand je mets Golden Freezer vert. Parce que j'ai besoin de Golden Freezer vert pour mettre des dégâts avec son ulti, notamment. Parfait, on s'en doutait ici. Blast. SP. Bon, il s'est soigné, donc ça a été un peu... pas inutile, mais t'as compris. Parfait, ça. Ah, ça nous met très bien, notamment pour le Vegeta. Ça nous met très bien pour le Vegeta. En plus, on a gardé l'ulti, ça pourrait être incroyable. Mais c'est quoi ce jeu, putain. Mais les frères, mais... Qui joue à ce jeu de merde, sérieux. Oh, mais il va se faire derrière. Mais c'est quoi cette no-luck.
C'est quoi cette nolog de merde sur ces comptes de RR, je vous jure. Ça me dégoûte, c'est trop chiant. Je sors des showcases atypiques, je suis le seul à jouer des trucs fun et je me fais chier dessus. Tout ça par une mécanique de hasard alors que mes adversaires, je les surdomine avec une team de merde. M'a touché une fois de la game, c'est sur le compte de Rising Rush, les gars, vous vous rendez compte ou pas? C'est la seule fois qu'il m'a touché de la game. Ça, c'est vraiment, vraiment pénible, c'est frustrant. Surtout qu'en plus, quand t'essayes d'être le seul à jouer des choses différentes, ça dégoûte, en fait, sincèrement. C'est ça, à cause d'une mécanique, le joueur en face, il peut rien. On va mettre mon dégât ici, s'il esquive, ok. On a le kill ici, bon, si je gagne cette game, c'est juste incroyable, enfin, je veux dire... C'est toutes les games, c'est ça. Il y a 4 games, 3 comptes de RR. 4 games, 3 comptes de RR dans le showcase. Hein. Enfin, je veux dire, c'est ça tous les jours. En live, c'est tout le temps. Regardez mes streams, mais ça va déco. Mais... Ouais, mais j'en peux plus. Bon, je vous dis, j'en peux plus. Hein. Sincèrement, je peux pas vous sortir de showcase. Le jeu n'est même plus jouable. Je ne peux même plus jouer au jeu. Alors, moi, je vais vous laisser ça. Hein. Je veux dire, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, je peux pas fermer. Sincèrement, les frères, je fais tout pour vous divertir et tout. Mais voilà, en ce moment, le jeu n'est pas jouable. Tout simplement, et ça c'est... Si tu n'avoues pas ça, c'est que tu joues pas au jeu. Sincèrement, actuellement le jeu n'est juste pas jouable et... En fait on joue un jeu qui ne marche pas. Et ça m'embête fortement. Et la portion de cheater est venue énorme, donc peut-être il a pas fait exprès, ouais peut-être. Enfin mon compte de Rising Rush plus déco, plus je sais pas quoi, c'est ça, voilà. Quand tu vois qu'il y a des cheats qui sortent avec des gens qui peuvent découvrir comment contrer des RR à l'infini et comment déco à l'infini, bon bah forcément ça te fait poser des questions. Vous avez vu, hein? Vous avez vu le mec? Le nombre de bonnes parties, de bonnes équipes, il doit en avoir énormément. La team pas étoilée, comme d'habitude, et comment ça termine avec une déconnexion. Tout ça parce qu'il prend la sauce. Ouais. C'est sûr, c'est un cheater, je suis sûr, les gars. Comme d'habitude, toutes les petites teams, ça donne tout le temps ça pareil. Et je crois que ce mec-là, en plus, je le connais. J'étais déjà tombé dans un showcase. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé de faire terminer comme ça, mais au bout d'un moment, bah, je fais tout ce que je peux, tout ce qu'à mon pouvoir pour vous divertir. Mais quand le jeu veut pas, le jeu veut pas. RNG plus déconnexion. Y'en a à dire, allons-y, à très vite. Ciao.